Bonjour tout le monde, c'est Caribou Kayak vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure de Carto live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Un monolithe ancien qui émet un vaisseau lumineux. De lumineux, incroyable. Je forcément d'un indice, mais non. Septième iceberg, j'en suis convaincu. Le vaisseau pourrait-il ramener le phare à la vie? Enfin, si je pourrais, nous devions attendre des années pour que le iceberg puisse sonner exactement. Ça a forcément un rapport avec le phare. Nous avons qu'à attendre que le iceberg s'aligne correctement. Ça a forcément un rapport avec le phare. Ça Quelle est de l'eau? Ah, c'est là.
marche. Et voilà. De quoi si tu penses que... Un, deux, trois, quatre... Septième iceberg. Septième iceberg, je n'arrive pas à croire que je... On foule le sol, c'est un vrai miracle. Imagine comment tu as fait, jeune... Ignore comment tu as fait, jeune étrangère. Et tu réalises le rêve de tout le monde. Oh, enfin arrivé, je sens déjà mes mains se réchauffer. Incroyable, j'ai toujours eu confiance en Luwak. Et il avait bien raison. Voyons voir ce trésor qui m'aidera à chasser. Alors, tu as réussi, tu as trouvé le septième iceberg. Et voilà, le trésor de nos ancêtres, comme je le pensais. Je m'excuse de t'avoir abandonné pour me précipiter ici, mais je n'ai pas pu m'empêcher quand j'ai vu l'iceberg émerger. Je l'ai cherché depuis si longtemps, je n'arrive pas à croire que le jour est enfin venu. L'heure est venue d'ouvrir le trésor. Reculez tous, nous ignorons ce qu'il contient. Tenez-vous prêts? Je l'ouvre. Hein? Chien? Comment? Oh. Enflement. Les huskies, nos ancêtres nous ont laissé des huskies. Ils sont absolument parfaits, nous devons les réchauffer. Je donnerai ma vie pour eux. Avons-nous quoi que ce soit de chaud à rajouter? Parfait, ramenons-les à la base. Carto! Oh, désolé d'interrompre ce que tu es en train de faire. Quoi que ça puisse être. Cet iceberg a fait surface d'un seul coup et a immobilisé mon bateau. Je voulais juste vérifier que tu allais bien. Me voilà rassuré. Bonjour tout le monde, je suis une amie de Carto. Vous avez l'air occupé. Salut Tantan, Sidox. Je peux vous aider? Tout en ma pique, nous devons ramener des chiens à notre base. Tu es la bienvenue si tu désires te joindre à nous. C'est un jeu sur le Xbox Game Pass. Tu dois bouger des cartes. J'arrive terminé. Je m'en vais au 10e chapitre, au dernier chapitre. Je crois en tout cas. Carto, mon trésor, je t'ai vu juste en bas et toi, tu as aperçu ta mémé. Je comptais te récupérer après avoir laissé le dirigeable refroidir, mais cet engin capricieux ne veut pas descendre sous les nuages. Je ne pense pas pouvoir risquer un atterrissage. Nous allons devoir nous retrouver au-dessus des nuages. Trouve l'endroit le plus haut possible et je t'y rejoindrai. Je te promets cette fois, j'ai tellement hâte de te faire
Tellement hâte de te faire un énorme câlin. Nous avons tant exploré tous les deux. Bisous, mémé. Donc, le pouvoir des cartes. C'est passé que elle et sa grand-mère étaient séparées à cause qu'elle a fait une erreur avec les cartes. Et là, maintenant, elle avance dans le projet. Non, je joue pas mal juste comme un jeu à la fois. Ils sont trop mignons. Ça me donne envie d'en avoir un et faire d'excellents compagnons de navigation. Ta grand-mère n'était pas vraiment loin, dis donc. On doit la retrouver au-dessus des nuages. Rien ne me vient à l'esprit, mais on peut retourner faire une recherche au chalet compteur. Eh bien, je n'arrive pas à croire que le petit Shinan est là. Elle était toute petite quand je suis parti, et la voilà qui entreprend son propre voyage. Elle m'a raconté des histoires de notre peuple qui m'ont empli de joie. Bah, déjà tant fait pour moi, mais j'aurais une dernière faveur à te demander. Une fois que tu aurais pris la mer, pourrais-tu déposer ceci au rivage de notre île en passant? Mes parents le trouveront certainement et seront heureux d'avoir de mes nouvelles. C'est un plaisir de vous accueillir, les filles. Bon voyage! Prenons le temps de dire au revoir avant de remettre le bateau à l'eau et repartir. Ben oui. Oh, les eaux. Allô? Attendez à ça, nous avons enfin résolu le mystère qui durait depuis des générations. Et nos ancêtres étaient prévoyants, ces chiens sont un véritable trésor en effet. Regarde-moi ça, ils devraient être en chaud comme ça. Laissons-les se réveiller naturellement, ils doivent dormir depuis des éternités. Ah, ils sont là. Comme quoi le trésor m'a bien porté de l'aide pour chasser. Ben oui, les chiens. J'ai simplement devoir attendre qu'ils grandissent un peu plus. Vos jours sont comptés, bêtes des glaces. Les petits esquis pour vraiment dormir. Les petits esquis sacrément mignons. Sont fantastiques, j'ai déjà commencé à leur tricoter des habits 6 de chaque. De petites chaussettes, de petites écharpes et de, pourquoi pas des petits bonnets. Ils ne tarderont pas à perdre leur poil et rien n'est plus chaud que des gants en fourrure de husky. Mon vœu a été exaucé. C'était un plaisir de vous accueillir les filles. Bon voyage, merci. Bon, t'as dit au revoir à tout le monde, prêt à partir? Ouais! Et sur les eaux sauvages, nous repartirons. Prenez soin de ce petit... de ces petits amours. Communément appelés les chiens. J'espère que les conservateurs savent comment tu pourras monter au-dessus de nuages. Chapitre 9 est terminé. Bonjour les filles, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Votre visite, puis-je faire pour vous? On doit monter par-dessus les nuages parce que le mémé du carto ne peut pas faire atterrir son dirigeable. L'acquis de quoi ne peut pas faire quoi? Désolé, c'est une longue histoire. Vous la lirez peut-être un jour. Est-ce que vous connaissez l'endroit assez haut pour dépasser les nuages? Maintenant que j'y pense, le chalet le compteur s'élève plutôt haut. Mais ce n'est qu'une petite maison. En apparence, oui, mais il pourrait bien te surprendre. Je me suis retrouvé au dernier étage une fois. Il n'y avait pas un seul livre, mais la vue était à couper le souffle. D'accord, vous pouvez nous montrer comment y accéder? Avec plaisir, ma chère, mais je n'ai jamais réussi à retourner au dernier étage. Ça est quelque peu compliqué, j'ai bien peur. Enfin, je peux toujours vous montrer ce que je sais. Suivez-moi. Et nous y voilà. Ça ressemble un peu plus au sous-sol qu'au dernier étage. Oui, c'était le sous-sol, mais laissez-moi vous raconter. Là, comme les autres, il y avait de nombreuses lunes. Je faisais le tour. J'allais lisez les nouveaux chapitres, je nourrissais les araignées, ce genre de choses. J'étais encore à moitié endormi lorsque j'ai franchi une porte que je ne reconnaissais pas. Avant de comprendre ce qui se passait, je me suis retrouvé propulsé vers le haut et expulsé au dernier étage. On dirait plutôt que vous avez rêvé. C'est effectivement possible, mais j'ai passé toute la journée là-haut et mon coup de soleil était bien réel. La vue de la forêt était splendide, je ne t'ai jamais trouvé si haut de ma vie. Depuis, j'espère retrouver le moyen d'y monter. Ma ligne, comme vous y êtes, je suis sûr que vous allez arriver.
Je suis pas sûr que cette histoire tienne la route, mais c'est notre seule piste. Allez, Carto, fouillons un peu et voyons ce que tu trouves. On trouve. La force de l'arbre se mesure à l'étendue de ses racines, comme on dit dans les bois sauvages. Si c'est le cas, l'arbre mère est plutôt fort. Quoi que tous, une fois que l'arbre est arrivé à maturité, son réseau de racines souterraines parcourt le monde entier. Le processus de croissance prend environ 1000 ans en fonction de la pousse universelle de l'origine. Une porte mystérieuse permet à quelques conservateurs privilégiés d'accéder au poste d'observation. Quelqu'un a écrit un message sur la page. Le dernier étage est réel, je sais comment l'atteindre. Ce n'est pas la place de tout expliquer, mais ces indications devraient vous mettre sur la voie. Bonne chance, futur conservateur. Petit papier roulé s'échappe. Ça, c'est la porte rouge, la porte principale. Où était cette porte? La porte est censée se trouver dans cette pièce, mais il peut y avoir un indice. Qu'est-ce qu'il y a? Ce jour-là, Caitlin et Kato, son mari étourdi, avaient encore plus envie de voir leur fils que d'habitude. Kata se promenait au bord du littoral lorsqu'il saisit le toujours avant de la perdre. Ce jour-là, cependant, il trouva une bouteille sur le pont en or avant, comme si elle lui était destinée personnellement. Et quand on tenait un message, il s'en trouvait si excité qu'il parvenait à rentrer chez lui sans problème. La femme sortit le message à bouteille, les plaies fondirent immédiatement en larmes. Je reconnaîtrais cette écriture entre mes exclamateurs, c'est celle de mon fils. La lettre de leur fils était traversée l'océan pour arriver le jour où ils en avaient le plus besoin. L'escarabée des sables à le poids traversa le désert brûlant par ordre de la capitaine des chercheuses d'eau. Il portait un message expliquant la découverte d'une nouvelle oasis et enjoignant la tribu de la rejoindre. Cette espèce de scarabée est capable d'absorber des rayons de soleil et de les transformer en énergie dont l'on se sert pour déployer le sable et faire des puissantes mandibules. Ces prédateurs naturels sont
Papic bondissant, le renard luisant et la torrentule de poissons, ils parvinrent cependant à tous les éviter et arriver à temps. La tribu qui avait presque épuisé les réserves d'eau récompense le scarabée pour son arrivée opportune, l'une avec une délicieuse nectar de cactus. L'histoire. La petite partie-là avait raté sa grand-mère de peu et de l'asbe, mais elle savait qu'elle n'était pas loin. Du but, elle n'avait plus qu'à trouver les endroits passés pour qu'il pouvait s'élever au plus haut. Les deux amis repartirent en direction du chalet, conteneur, édifice de taille malheureusement réduite à la moitié. Les habitants de la prairie avaient remarqué. Depuis quelque temps, leurs moutons étaient devenus bien plus rapides qu'à leur habitude. Loin de leur berge pour dévorer les choux à la vitesse de leur pente. Après avoir mené l'enquête, on découvrit que des graines de plants caoutchouteux s'étaient répandues un peu partout en ville. Les derniers caoutchoucs de la région avaient servi à fabriquer des bottes magiques plusieurs décennies auparavant. Les habitants de la prairie étaient toujours heureux de pouvoir à nouveau cultiver le caoutchouc et leurs moutons retrouvèrent bientôt une vitesse raisonnable. Quand j'ai vu la maison, quand j'ai rentré, on va y aller. Quand j'ai vu les trois petites maisons, ça m'a fait penser tout de suite les trois petites maisons en haut. Tiens, je vais les inverser. Du 7e Asdok est transmise de génération en génération depuis la nuit des temps. Bien qu'elle n'existe plus, sa forme archéologique, Luwak, il la raconte à qui veut bien l'entendre. D'après cette histoire, l'Asdok renfermerait un trésor capable d'améliorer la vie de tous. Même si ce n'est qu'une légende, Luwak a décidé de consacrer sa vie à la recherche de ce trésor sans jamais perdre espoir. Une autre légende de l'Asdok mentionne la boisson miraculeuse reconnue sous le nom d'Éternivert. L'Éternivert concocté à partir de mélange de glace et d'herbes locales plonge le buveur dans un état d'hibernation profonde. Il peut alors dormir tout l'hiver avant de se réveiller à l'arrivée du printemps. Bien que la recette se soit perdue au fil du temps, les amateurs de boissons continuent d'expérimenter dans la façon de redécouvrir un jour. La première personne à s'installer sur l'Asberg était un enfant perdu en mer, séparé de son peuple. Un meuble de ski fut intrigué par son arrivée et finit par le lever comme un de leurs. Il lui apprit à chasser et à communiquer avec les chiens, à rester au chaud. Le colon se jura de trouver un moyen d'offrir le soutien au ski quiconque en aurait besoin. Vivre sur un Asberg était un mode de vie rigoureux, mais aussi extrêmement imprévisible. Les habitants ne savent jamais quand ils vont recevoir leurs amis car ils arrivent que leur Asbuck à la dérive ne se croise pas pendant très longtemps. Ils laissent des caisses et nourriture, généralement des cornichons de mer sur chaque Asbuck ou quand quelqu'un s'y retrouve. Vérifier partout. Une fois l'éruption passée, la famille Peluche chauffe au chalet chef jusqu'au sommet du volcan. Se solidifiant, les roches volcaniques avaient créé plusieurs tunnels et pentes qui parcoururent tout le volcan. Ils se demandèrent alors ce qu'ils atteindraient
adviendrait s'ils osaient s'en servir de toboggan sur le dos de leur chef. C'est qu'une nouvelle attraction mondiale connue vit le jour du gîte. En même temps qu'on a lu toutes les choses de la bibliothèque, les écritures, ça nous a permis de déverrouiller un succès. C'est le rat de bibliothèque. Voici la plus belle vue de tous. Ah, là, on voit un arbre. Elle se dit qu'elle doit aller à l'arbre, j'imagine. Alors, je ne me suis jamais monté aussi haut. Que je suis la seule à avoir le vertige. C'est aussi impressionnant que dans mon souvenir, et regardez un peu cet arbre. Je suis désolé, les filles, on dirait bien que les nuages sont toujours au-dessus de nous, malgré notre attitude. T'inquiète pas, Carto, on a juste à monter un peu plus haut. Qu'est-ce que tu penses de cet énorme arbre? Difficile à dire, mais on dirait bien qu'il monte encore plus haut qu'ici. Peut-être qu'il n'a pas fini de grandir. Ou certainement le coup d'essayer. Vous pouvez rester ici et profiter de la vue un moment. Et remonter. Merci de votre aide, monsieur le conservateur. Bien, Carto, allons voir si cet arbre peut nous aider à toucher du. L'angle du machine à écrire ancienne, elle a l'air. L'angle du machine à écrire, elle a l'air drôle. Évidemment, j'ai oublié ma comme ça là. Attends, puis je suis bon pour prendre un coup de soleil. L'arbre de l'autre côté de la forêt. L'angle du machine à écrire. Et là, on est prêt. Bonne chance, les filles. Merci de m'avoir aidé à retrouver cet endroit. Je ne l'oublierai pas cette fois. C'est l'heure de l'ascenseur. Messagère sans barbe, la mère vous attend. Elle m'a dit d'aller chercher tout le monde parce qu'elle est l'heure de rassembler la famille. La mère m'a dit de te remercier de l'avoir aidé à renaître. Maintenant, c'est à son tour de t'aider. Entre dans son entrain. Entraîne. Offre à la mère l'énergie de la terre. La terre, elle t'amènera là où tu désires. Prête à monter, c'est si papitant? Non. Cache comme à la commande le rôle du gardien. Merci, bébé. Petit prêt, la mer n'était pas merveilleuse. Elle est grande si vite, la pousse de neige devait être très spéciale. Oh, tout va l'eau, tu vois. Plus haut. Ouais. Yo, on a bien chaud par moment lorsque le pote se tient de fourrure. Heureusement que la mer nous offre une fraîcheur de sang. Bonjour. Je trouve la mer impressionnante. Attends un peu de voir lorsqu'elle aura fini de grandir. Ouais, cet endroit est génial, Carto. Les gens sont tes amis, ils ont l'air costauds. Bon, on devrait rentrer dans l'arbre. Prêt à monter? Ouais. Direction le canéopé! On est si haut! Est-ce que c'est mon île que je vois au loin? Attends, regarde! Moi, cette vue! On est assez haut. On n'a pas encore dépassé les nuages.
Attention un peu, on trouvera peut-être un endroit encore plus élevé en voilement d'antide ici, on dirait presque. Regarde. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable. Manipule des grands morceaux de cartes. Que tu assembles tous. C'est bien mon île que je voyais au loin, ça. C'est la prairie où on a accosté en premier. Ouais. La forêt autour de nous. Je sens pas un tremblement. Les conteurs. Bonsoir, monsieur le conservateur. Et le désert. La traversée, il est si gigantesque. À gauche. Hein. Quand le tremblement s'intensifie, tu crois qu'il va entrer en éruption à nouveau? Thank you.
Les petits chiots de l'iceberg me manquent. Mais Carto, le tremblement devient vraiment inquiétant. Ça va grandir. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Accroche-toi, l'arbre grandit. Oh. Attends, tu as réussi, on est au-dessus des nuages. Tu vois ta grand-mère? Ta grand-mère ne doit pas être loin. Ta grand-mère ne doit pas être très loin, évidemment. Faut plus utiliser les deux morceaux là. Ta grand-mère. Je savais que nous nous retrouverons, ma petite chérie. Ce n'était qu'une question de temps. Plutôt une question de carte. Tu es incroyable, débrouillarde pour m'avoir suivi jusqu'ici et tu es entièrement reconstitué notre carte. Une grande cartographe, comme ta grand-mère. Et qui est ta camarade? Bonjour madame, je m'appelle Shiana. J'aimerais bien dire que Carto m'a beaucoup parlé de vous, mais elle n'est pas très bavarde. En tout cas, elle est superbe. Elle m'a appris tout un tas de choses. Et on a voyagé dans une foule d'endroits incroyables. Et je veux tout savoir, ma petite. Enfin, puisque nous sommes tous ensemble, pourquoi ne pas montrer quelques-uns de ces endroits directement? Nous n'avons qu'à prendre le dirigeable et utiliser la carte que vous avez reconstituée. Vous pourrez me présenter d'une de vos amies, montrer vos paysages préférés. Effectivement. Yana, merci, j'adorerais venir avec vous après toi, Carto. Terminé le chapitre 10. Et le jeu est terminé. Un autre jeu dans le classeur du caribou canadien. Oh yeah! Carto. Tous les deux retrouver nos précieuses filles. Nous n'aurions jamais trouvé cet oasis sans votre épide. Non, je suis vraiment fier. Ces chameaux sont super, ils ont besoin de bons bains, oui. Enfin, nous avons aujourd'hui une invitée très spéciale. Elle a voyagé aux quatre coins de la planète et du monde et vu les merveilles incroyables. Je vous présente la grand-mère de Carto. Vous avez vu des plantes. Alors des plantes, j'en ai vu des rouges, des bleus.
Être beau comme le caribou. Voilà que les épices brûlantes me fait presque rajeunir. Piouf, délicieux. Ah, y a les coches. Ravi que ça vous plaît, madame. Il s'agit d'une vieille recette de la famille Paluche. Je crois que je me suis brûlé la langue. C'est une des caractéristiques de votre menu. À votre risque et péril. Et la chef le prend toujours comme un compliment. J'ai bien compris. Vous avez organisé une cérémonie de passage à l'âge adulte pour 4 tépeux de poisson. Réfléchissant, bien, il s'agissait d'eau. Un concours de pêche. Mais il y avait sirène. Ça devait être une sacrée compétition. En effet, je ne sais toujours pas vraiment si j'ai gagné ou non. Est-ce que t'as 15 ans? Petite fille est très talentueuse. J'ai cherché le septième iceberg des années dures. Elle l'a trouvé en une après-midi seulement. Eh oui, c'est la spécialité des cartographes comme nous certains. Je dirais qu'elle tient ça de moi. Garde ses chiots à l'œil. Petite, il se faufile partout. À le chalet, compteur, il n'a pas pris une ride. Seulement, c'était aussi mon cas. Seriez-vous l'artiste aéronaute, la pilote émérite? Alors, je suis votre plus grand admirateur. J'ai lu tous les chapitres de votre aventure. Chut. Tournez cette page il y a bien longtemps. Je ne suis qu'une gentille grand-mère maintenant. Même si j'ai réussi en effet à me lancer dans une petite aventure par-ci par-là. Hé, voulez-vous bien signer mon édition originale? La petite cartographe et sa grand-mère en faire unir, s'entraînir tendrement. Le vent frais faisait danser les feuilles autour d'un sur les hauteurs de la mer. Elle était si heureuse de retrouver sa personne préférée au monde. Elle s'était même fait une nouvelle amie, découvert un goût pour l'aventure aussi. C'est moi, Carto. Merci de m'avoir invité. Paris, je m'amuserai beaucoup avec vous. Mais, j'entends, je sais, hein, chuchoter mon nom. Et encore un peu plus d'exploration à faire avant de trouver mon nouveau foyer. C'était un plaisir de vous rencontrer, madame. Merci d'avoir partagé vos histoires avec moi. J'étais ravi de faire ta connaissance, moi aussi, ma petite. Je suis très heureuse que tu aies rencontré Carto.
Bon voyage à toi. Bon voyage à toi. Bon voyage à toi. Pas beaucoup, écarte tôt, mais je suis sûr qu'on se reverra. Meilleurs amis, ne reste pas séparés bien longtemps. Carto Ishiana, Carto Ishiana, Carto Ishiana, Carto Ishiana, Carto, c'est moi. Chère chienne, je suis content d'avoir retrouvé ma mémé, mais tu me manques beaucoup. Le ciel est magnifique. T'es parti il y a seulement une semaine. J'ai déjà vu plein de choses incroyables. On a même réussi à traverser une tempête sans problème. Plus rien ne nous arrête maintenant. Merci d'avoir été une si bonne amie. J'espère que tu trouveras ta place dans ce monde. Et je suis sûr que tu te retrouverais bientôt. Au fait, ne croiras jamais ce que j'ai trouvé sur le dirigeable. L'un des chiots de l'iceberg a grimpé à bord. Heureusement qu'il aime la soupe aux fruits de mer. Bref, tu nous manques. Écris-moi, dès que possible. Bisous, Carto, PS, mémé te passe bonjour. Plus le chien. On sait pas le nom. Me manque aussi, Carto. Ouf, elle aussi a pris un chien. Hein? D'où est-ce que tu sors, toi, petite coquine? Ben voyons, Adam. Ben, c'est fantastique. Voilà, tout terminé. C'est tout pour le jeu Carto sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!